Bienvenue Team Chef, j'espère que vous allez bien. Steven Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui il est 5h45, c'est l'heure du réveil. Ici on est au SMV, c'est le service militaire volontaire. En vrai c'est pas mal hein. Cette vidéo la Team Shape, je vais passer 24 heures comme un jeune dans cette école militaire. C'est parti. Et mon colonel. Bonjour Thibault. La forme? Impeccable, toujours hein, mon âge. Vous avez quel âge? 35. 59. 59 oui. Vous les faites pas. Merci, c'est gentil. Et c'est entretien à l'armée. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. 100 kilos, développé couché. Bravo. C'est du travail. Il faut montrer l'exemple avec les jeunes. Et bien sûr. Le SMV, qu'est-ce que c'est alors? Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire centre du service militaire volontaire. Ici on était en Berlieu, il y a 6 centres en métropole. Bonjour. Bonjour, vous êtes Thibaut. Enchanté Thibaut. Bienvenue. Ça farte? Salut, ça farte. Toi? Tranquille et toi? Pas fort. Alors moi je suis le caporal chef Jimmy. Je suis ici pour vous encadrer. Et là c'est les chambres là? Voilà. C'est pas une chambre à personne on m'avait dit? Ah non, on n'est pas à l'hôtel. Hein. Ah bah... Du coup Léo, ici c'est la chambre? Là normalement on est 5, mais il y en a qui sont partis au permis, donc tu peux prendre une place tranquille. Ah, ok, on peut ramener des petites des fois ou... Non, on n'a pas le droit, non. Non, non, non. D'accord. Bon mais pas de Juju pendant 8 mois alors, très bien. Au revoir Juju. Vous vous couchez à quelle heure? Entre 21h30 et 22h. D'accord, à 22h30 tout le monde dort. Normalement oui. On va me réveiller à 8h, c'est possible? Non, impossible, à part le week-end. Réveiller à quelle heure? 6h15. 5h45? Oui, grand max. Ok, bon bah, va falloir s'y faire alors, pas de soucis. Hein. Je peux rester habillé en team shape, c'est bon? Non, non, pas du tout. D'accord, donc c'est ça la tenue? Oui. Un t-shirt, une veste, un pantalon, un ceinturon et des rangers. Ouais. Vous n'avez pas des débardeurs? Non. Non, non. On va se changer, c'est parti pour la journée. Les jeunes qui viennent au SMV, ils ont quel âge? Il faut qu'ils soient français, parce qu'ils souscrivent à un contrat dans l'armée française. Et il faut qu'ils aient entre 18 et 25 ans, qu'ils soient déscolarisés. Souvent, ce sont des inactifs et donc qui ont envie d'un renouveau dans leur vie. Le SMV, c'est un peu une solution et une aide pour les jeunes qui ont du mal à trouver un boulot, des difficultés à l'école, par exemple. Voilà. Ok, c'est mon repos les gars. Ah, vous êtes habillés, ça y est? Ça y est. Ok. Je suis pas bien habillé? La veste est au bon endroit, ça c'est pas mal. Okay. Et les boutons, on va les attacher jusqu'en bas. Ah, mais tous les boutons, ah, hein. Oui. Du coup, ça fait moins sortir les pecs. Ouais, mais bon, les pecs là, on a pas besoin de les voir. Ça marche. Le petit scratch en bas qui va bien. Le scratch. Les Rangers. Qu'est-ce qu'elles ont les Rangers? Les deux boucles, elles doivent être mises. Ouais, mais je trouve ça plus stylé comme ça. Ouais, mais non, non, c'est pas possible. Les lacets. C'est plus facile les crocs, hein. Le pantalon. L'élastique peut passer sur la première boucle. Comme ça. Exactement. Bah voilà. Du coup, le réveil, tu m'as dit, c'est à quelle heure? 5h45. 5h45. Et là, du coup, le petit déj. Déjà, on doit être rassemblé en bas à 6h10. Okay. Pour les tics. C'est le ménage de tout le bâtiment, là, ici. Vous commencez par faire le ménage? Ouais. Avant le petit déj. Exactement, oui. Ah ouais, ça réveille la journée direct, quoi. Voilà, ouais. Ok, voilà. Tous les jours? Oui, oui, ah, oui, tous les jours, sans exception. Dire que chez moi, je fais qu'une fois par semaine. Du coup, au SMV, il y a trois étapes importantes, c'est lesquelles? Première période de 6 semaines, 5 à 6 semaines, c'est la formation militaire initiale. Du sport tous les jours, de la manœuvre à pied, des gestes élémentaires de survie, la vie en collectivité, le goût de l'effort, de se surpasser et prendre confiance en soi parce que beaucoup de nos jeunes manquent de confiance en eux. Le petit déj, il est à quelle heure? 6h45. La collation, le goûter du matin, il est à quelle heure? Le goûter du matin? Oui, bah, le deuxième repas de la journée. Ah non, ça n'existe pas ici. Ah d'accord, okay, d'accord. Vous avez droit au téléphone portable la journée? Non, on les met dans des boîtes alors et on les récupère à la fin de la journée. Vers 17h? Oui. Ça te manque pas de pas avoir de téléphone et tout? Non, au final, non. On apprend tout à se connaître. La formation ici elle dure combien de temps? En tout 8 mois. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier après toi? Moi chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd, ouais. Ok, cool. Préfère être ici qu'à l'école classique? Oui, largement, oui. Ah bah rester toute la journée le cul sur une chaise, non merci. Ah, le petit réveil qui fait plaisir à la fraîche au matin. Ça va quoi les gars? Ça va super. Bien ouais. Dormi? Il fait moins 6 ce matin. Du coup, il a pas fait trop froid cette nuit? Non, pas trop. Non. Ça te fait quoi du coup de dormir dehors et pas dans une chambre classique? C'est quelque chose de différent, c'est pas pareil. Je suis allongé au sol et il y a différentes sensations. Est-ce qu'il y a des bêtes un petit peu, des serpents? Non, j'en ai pas vu. Et toi, ça t'a fait quoi dormir dehors alors? Ouais, c'est cool hein. Ça change? Bah, c'est plaisir après de se dire le matelas, on va le retrouver et tout. Dame, enchanté Thibaut! Bonjour, caporal chef Jérémy. Ok, du coup, là, c'est la première étape, on appelle ça comment, le FMI? Oui, la formation militaire initiale. D'accord, ça va durer combien de temps? 5 semaines. Pendant ces 5 semaines, quel genre d'activité les jeunes y vont faire alors? Ça va être beaucoup de cohésion, apprendre à vivre ensemble, ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont insociables ou qui restaient chez eux, des dépassements de soi aussi. Beaucoup. Génial! Qu'est-ce qu'on va faire de vous alors ce matin? On va faire réveil musculaire, du brancardage, du camouflage. Bah, c'est parti pour un peu de sport réveil alors. C'est parti. Let's go. C'est parti, réveil musculaire. On enlève les masques dans les poches. Oh, c'est bien, ça décrase le matin, voilà. Ça va? Tout le monde suit, c'est bon? Oui, bon, 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 bon. Du coup, à la base, tous les jeunes ne sont pas sportifs, c'est pas trop dur pour non. Eux des fois? Tout le long, ce qu'on leur demande, c'est la progression. Ce qui est le plus important, c'est progresser. La plus longue course que vous leur faites faire, c'est 12 km. Et ils y arrivent. Hein. C'est génial, c'est magnifique. Ça va, tout le monde, ça suit? Et ça fait combien de temps que vous êtes là vous? 3 semaines. 3 semaines aussi, ouais. Raconte les prochains clashs avec Juju. Oh. On est bien, on passe un bon moment. C'est le matin, c'est le réveil. Vous voulez devenir militaire ou pas forcément alors? Ça veut dire que les jeunes qui viennent ici, ils veulent pas tous devenir militaires? Non, c'est plus une débouchée pour l'embauche. Talon fesse. Talon fesse, on dirait mes entraînements. Les épaules, c'est mon préféré celui-là.
5, 4, 3, 2, 1, 6. C'est trop bien. 3, 4. On en fait 5 pour Tibre. 4, 5. Assis, debout, Roland, assis. Sur le ventre, sur le dos. On rentre jusqu'à moi. Sur le dos, sur le dos. Assis, debout. 20 squats. 5, 6. Première partie réveil musculaire, c'est fini pour moi. Vous êtes à la main, la Jean-Chef Stéphane. Allez, passe à moi, un arc de cercle. Vite, 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 vite. Allez, au sol. Allez, on recule, on recule, on recule. En haut, milieu, en bas. Allez, recule, recule, recule. On va devoir transporter des pneus. Ah, tout ça, ça marche, ça marche. Allez, go, 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 go. 3. Attends, j'arrive, les gars. Vas-y. Allez, go, 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 go. Super, reposez. Allez les gars, c'est super. Donc là je m'allonge. Ouais, c'est ça. C'est normal que ça puisse être testiculaire. Ouais, c'est ça, c'est normal. On en a deux, c'est pour ça. Viens relâcher celle-là, c'est le point clé. La jambe arrière, c'est plus le travail. Ah, ouais. Ah oui, ça cisaille un peu là. Allez, machine. T'as ton public qui t'applaudit là-bas. Ça fait du bien le matin. Ok Mike, prochaine activité, qu'est-ce qu'on va faire de beau là? Encardage pour transporter un blessé. Ok, c'est moi qui fais le blessé? Tout à fait. Et c'est vous qui allez me sauver? Ouais. Je fais confiance ou... Oui. Ouais, ne vous inquiétez pas. Comment on fait un brancard? Bah on va prendre les deux barres, on va utiliser les vestes pour après les enfiler dans les barres. La veste elle est fermée? Voilà, c'est ça. Allez Thibaut, c'est la guerre là. Allez, c'est la guerre mec. Donc là c'est bon, je m'allonge là. On fait confiance au processus. Donc là je m'installe. Hop. Attention pour lever. Lever. Oh, oh, ok, bien. En vrai, c'est pas mal, hein. Ah, ce serait cool de se balader toujours comme ça, vous voulez pas rester toujours près de moi. Ça, dès qu'il y a besoin de faire les courses ou quoi. Ça va, c'est pas trop lourd. Non, ça va. J'ai l'impression d'être un pharaon. Vous avez quel âge, du coup? 21 ans. Et toi? 22 ans. 24, 18. Ouais, 24, 18 dates, oh, il y a tous les âges, ouais. Posé. Hey, super, franchement 10 sur 10. Ah, il est grave lourd là, je suis mal au dos. Très belle barbe Mike. Merci. Mike, qu'est-ce qu'on va faire de beau là maintenant? Course d'orientation, donc l'objectif final c'est de récupérer les rations de combat. Donc c'est important, il faut qu'on réussisse à la trouver. Voilà. Comment on va réussir à retrouver la ration? J'ai donné une carte avec le point où on se trouve actuellement. Je leur ai donné le point B où on doit se rendre sans passer par les routes bien sûr, quand on reste dans un contexte militaire. Pas le droit de faire du stop. Non, non, par la forêt. Pas le droit au téléphone non plus. Ah non, non, non. Ok les gens, c'est parti, j'espère qu'on va la trouver, let's go. Alors du coup Emric, où est-ce qu'on va là? Bah on va couper par la forêt. Là où il n'y a pas de chemin là? Tout à fait. D'accord, en fait, très très bien. Dans les ronces et tout, ok, ça marche, voilà, pas de soucis. On va aller récupérer du coup les rations de combat. Ok. Ok, après je passe mieux comme ça en fait. C'est mieux à l'envers. Aïe, attention à vous les gars. Ok Thibaut, à tout à l'heure, j'espère que tu vas trouver ta ration. Ouais, merci. Nous on va au buffalo. Attention aux branches. Ah ouais, putain, il y a des épines sa mère là. Ah, heureusement qu'on a le pantalon qu'il faut. Hop, c'est le bon chemin au moins. On n'est jamais passé par là, mais je m'inquiète un peu alors. C'est pas un autre passage là. Par en bas quoi. Par là. Je sais pas pourquoi t'es monté là. Hein. C'est plus simple par en bas. Bah ouais, il y a moins ce bordel là. Hop. Hop, il y a du sanglier là. Allez, c'est bon, voilà la sortie. Attention à vous. Bon, elle est où la bouffe? Ah, c'est bon, on y est. Ok, la ration est là. Enfin, là, c'est la carte au trésor quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme goût alors? Voyons menu voir. 6, du chili con carne. Ouh. Et salade de pâte au saumon. Ah, c'est bien ça. À table. Alors, du coup, Andala, qu'est-ce qu'on a de bon dans la ration alors? Des petits déjeuners. Du muesli. Des plats. Ça, c'est quoi ça? Du café? Oui, c'est ça. Ah, du Mont Blanc. C'est bien ça ou pas? Oui. Oh là, ça me rappelle mon enfance, ça, le Mont Blanc. De la confiture, du chili con carne. Ça, du coup, des petits biscuits, barres céréales, du chocolat noir. Et ça, c'est des rillettes de canard. Bah écoute, bon appétit. Merci à vous également. Du coup, t'as quel âge? 22 ans. 22 ans, et tu viens d'où? Je viens de Mayotte. Trop bien. On embrasse tous les Mahorais. On leur fait des bisous. 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 Section mon commandant, garde-vous. Encore une couvrée. Vite. Élève chant. Présent. Le temps pour le chant. La route vers l'inconnu est toujours bienvenue. Le but est devant nous. Braquons les armes. La défaillance exclue. Plus rien ne compte plus. Pour nous, c'est le devoir. Pour vous, les larmes. À ton chant. Du coup, Élise, qu'est-ce qu'on va faire de beau là? Alors là, on va apprendre à faire du camouflage. Donc, on va se camoufler notre visage, nos mains. Comme ça, au moins, on pourra se fondre dans le décor. Être invisible. Voilà. Montre-nous comment on fait. On prend nos mains, on les mélange avec l'eau et la cendre. Ah oui, c'est la cendre du feu là? Oui, bah on startine le visage. Ah là là là. Elle y va vraiment. Ah, ça fait guerrier. Les oreilles, le cou. Un petit masque, un petit gommage. Ah bah écoute, c'est bon pour la peau hein. C'est un peu plus délicat si vous voulez. Ah oui, c'est mon côté youtubeuse beauté. Ah putain, Elise, elle fait pas semblant quoi. C'est bon, on est invisible ou pas là? Toi, il t'en manque encore. Ok. Là aussi, sous la bouche. Oh, on est bien là comme ça. Et donc là, c'est bon, on est invisible là. Vous nous voyez vous à travers la caméra ou pas là? Ok, les gens, tout à l'heure, on prend l'avion pour rentrer et je sais pas trop comment on se débarrasse de ça. C'est pas grave, écoute, on assume. Donc dans la formation des stagiaires, on fait essentiellement au niveau du sport des disciplines socles, course à pied, renforcement musculaire, natation et du parcours naturel. Parcours du combattant? Voilà, c'est un parcours qui fait 1,2 km et il y a 14 obstacles. Est-ce qu'on va se mouiller un peu ou pas? Légèrement. Encore du sport. On est en bas. Ah, c'est horrible comme exo. Allez,
Oh, ah, c'est un cache-cache. Aïe. Aïe. 8 secondes. Là. Non merde. La pire cachette. Allez c'est parti, allez les gars, dans l'eau, enchaîne, allez. Allez les doux bassins. Allez, je sais pas nager les gars, je sais pas nager les gars, je sais pas nager. Allez, allez, allez. On rampe, on rampe. On a dit qu'on rampait. Allez les gars, on rampe. Voilà. Allez. Oh putain. Oh putain, on est en décembre les gars. Allez, c'est bon. C'était mon iPhone. C'est pas grave, c'est bon. Il est top. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est parce qu'on s'est pas lavé hier, c'est pour ça. Ah, c'est vrai. Vous avez de la magnésie? Voilà. Belle grimace. Wow, merci. Oh, encore. Oh là. Ah non, on peut... Oh là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les vidéos, quoi? Hop. Allez, oh, pouce bleu. C'était un pouce bleu en bas de la vidéo, s'il vous plaît. Avancez. Hein? Oh. Le human centipède, on va me foutre. Human centipède. Est-ce que quand on vient ici, il faut être un gros sportif de base? Pas du tout. Alors, il faut avoir l'aptitude médicale. Tous les jeunes qui nous rejoignent sont vus par un médecin. Il y a une visite d'aptitude. Et donc, il faut avoir les dents en bon état. Il faut avoir le cœur qui fonctionne bien. Voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas sportif au départ est pris en charge par nos moniteurs de sport. Font du sport de manière progressive. Beaucoup d'entre eux perdent du poids. Ceux qui sont rentrés en surpoids font des progrès. Et c'est une belle satisfaction pour nous de voir ces jeunes qui se découvrent des muscles. Et bien qui... sûr. On a une petite là qui est arrivée en septembre qui a déjà perdu 20 kilos. C'est trop bien. C'est un centre aussi de remise en forme. Donc là, hop, c'est parti. Allez les gars, on tient. Mettez vos pieds pour monter là, le grillage. C'est très bien, allez les gars, allez les gars. Ça fait le gainage, ça fait les abdos pour l'été comme ça. Le body summer. Plus des gymmels du Covid. Ok. T'as pas des lingettes? Dès que la poutre touche le fond de la fosse, on recommence. Oh, c'est la DDE ici. Okay. Un qui travaille, qui regarde. Encore. Yes, voilà. On traverse. Même principe de l'autre côté. On la récupère après. Ouais. Allez, Thibaut, on compte sur toi. Hop là. C'est bon. Hop, hop, hop. Super. Génial. Hop, 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 hop. Y'a pas un ascenseur? T'as pas une luge? Ok. Ouh, on remonte. Ok. Allez, hop, hop. Yeah. Allez. Merci les gars. Allez. Super. On avale l'obstacle. Ça va toujours? Oui, mon adjudant. Voilà, parfait. Avec le talon sur la poutre. Crochage. Voilà, transfert des pieds. Allez dans la buse. Allez dans la buse. Allez, moi je m'enchaîne. Oh, faut pas être trop large. Pour un claustro, c'est génial. Allez, la petite cheminée. Regarde, allez, facile. Ouais, facile. Parfait, il est facile. Faut serrer les abdos là. Ça bouge un peu? Ouais. Si je fais ça, ça bouge, arrête, ou pas? Arrête. Si on tombe, c'est échec, on recommence. Hein. Allez, on recommence juste. Voilà. Ok. Oh, oh, allez, allez, on enchaîne les deux, tout petit peu, yes. Oh, les tri-tris dès mon colonel. Thibaut, oh, tu as réussi brillamment ta formation militaire initiale. Je suis très heureux de te remettre ton calot, symbole d'appartenance à l'armée de l'air. Merci beaucoup, c'est un honneur en tout cas, merci beaucoup. Ok les gens, donc c'est parti, on se retrouve 5 semaines plus tard après la formation militaire, ce qu'on a vu juste avant. Donc c'est parti, on attaque maintenant la deuxième phase du SMV qui s'appelle la formation complémentaire, qui est composée d'une remise à niveau scolaire, français, maths, du permis de conduire gratuit, des missions citoyennes comme par exemple aider dans les EHPAD ou au secours populaire, le passage du brevet de secourisme, du sport et différents ateliers comme par exemple celui d'apprendre à écrire une lettre de motivation, un CV ou comment bien s'exprimer pour passer un entretien oral d'embauche. D'oral d'embauche. Ok Léo, tu regardes quoi comme film là? Regarde ta chaîne là. Ah, sur ma chaîne YouTube là, ouais. T'as le droit d'être sur YouTube en classe? Normalement non. Qu'est-ce que vous faites comme exercice? Principalement maths et français. Et là en ce moment on fait des tests psychotechniques en fait. Okay. Pour passer notre permis poids lourd. Trop cool.
Dans cet exercice, mémorisez les cases blanches et noires. J'essaye, tac et tac. Et tu valides. D'accord, plein d'exercices en fait pour te stimuler quoi. C'est ça. C'est bon Léo, t'as ton permis poids lourd. Merci. Du coup Lina, qu'est-ce que tu fais de beau là? Effectuer une division. Oh là là, division euclidienne. Oh là là. Donc là, 384 divisé par 96. Alors de mémoire, 384 divisé par 96. 4, tu vois, c'est plus facile quand même. Hein, oui. J'ai pas le droit à mon téléphone. Ah, t'as pas le droit au téléphone en non. cours? Non. Ah merde. Là, on va faire du français là. Les autres verbes du plus que parfait de l'indicatif. T'es sérieux? Oh, comme tu plombes l'ambiance là. Écris le verbe entre parenthèses au plus que parfait. Ils avaient fini. C'est l'auxiliaire avoir, donc je crois qu'on ne conjugue pas. Oh, réponse correcte. Du coup, Justine, vous avez combien d'heures par jour à peu près de cours? 2 à 3 heures par jour. Mais ça va, c'est pas trop long? Si, c'est très long. D'accord, ça, on le mettra pas dans la vidéo. La formation complémentaire, elle dure combien de temps? 18 semaines. Un peu plus de 4 mois. Et quels sont les avantages des jeunes qui viennent ici alors? Déjà nourris, logés, blanchis. Ils touchent une solde, alors une solde militaire. Ils sont payés. Ils touchent un peu plus de 300 euros par le ministère des Armées. Okay. Et un peu plus de 300 euros par la région. Donc ça leur fait à peu près 700 euros en plus par mois. D'accord, c'est cool. Pour des jeunes qui n'avaient pas de boulot à la base, c'est bien. Ils ont la carte SNCF et la CMU. Du coup, Mike, prochain exercice, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Exercice de secourisme sur une personne inconsciente qui ne respire plus. Là, on passe sur du massage cardiaque. Okay. Et si on a besoin, le défibrillateur. Pourquoi les jeunes, ils passent ce diplôme ici alors? C'est toujours une qualification en plus. Donc okay. La première étape, c'est la prise de conscience. Monsieur, monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, clignez des yeux. Monsieur, monsieur, serrez-moi la main, dites muscu, okay. Ça réagit pas. La personne est inconsciente en premier temps. On va voir si la personne respire. On bascule la tête en arrière. Ça bouge pas là. Inconsciente, ne respire pas. Là, faut intervenir très rapidement. Le massage cardiaque. On enlève le vêtement. C'est ça. On appelle les secours. On vient se rapprocher le plus près de la victime. Que les bras soient bien verrouillés, bien tendus. Et après, on est parti pour 30 compressions thoraciques. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au bout des 30. On essaie d'observer s'il y a une réaction. On essaie en même temps de voir s'il n'y a pas de corps étranger au niveau de la bouche. Ok. Peut empêcher l'air de ressortir. D'accord. Donc là, il n'y a rien dans la bouche de spécial. Voilà. Donc okay. On est reparti à 30. Ok. On repart sur 30 là. S'il réagit, tant mieux. S'il réagit pas. Si on a possibilité, maintenant on le voit de plus en plus, on a des défibrillateurs. Appuyez sur le bouton okay. rouge clignotant pour administrer le choc. J'envoie la purée là. Administré le choc. On reste auprès d'elle, on continue de lui parler, même si elle nous répond pas. Peut-être elle peut au moins nous entendre. Ici au SMV, qu'est-ce que vous apprenez comme geste de premier secours? On apprend déjà pour les étouffements aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un s'étouffe? On prend comme ça, le poing. C'est bon, ça va mieux, ça va mieux. Est-ce que les jeunes qui viennent ici vont devenir obligatoirement militaires après? Pas du tout, pas du tout. Ceux qui se découvrent une âme de militaire, la porte n'est pas fermée et certains d'entre nous s'engagent. Nouveau slogan qu'on pourrait inventer, c'est une formation militaire pour un job dans le privé. C'est le cadre militaire, c'est ça. Qui leur inculque ce savoir-être, ce respect de soi-même, ce respect de l'autre, okay. Le respect de la hiérarchie, parce que même dans une société civile, il y a un chef qui commande et il faut lui obéir. Et bien sûr, la Team Shape, l'endroit le plus important de la base aérienne, le temple, la salle des muscu. Et franchement, elle est magnifique. Oh là 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 là. Il y a même une cage de crossfit au fond. Ok les gens, on attaque le sport. Ici les jeunes, ils ont 6 heures de sport par semaine. Et c'est parti, on va faire une séance ensemble. 3, 2, 1, let's go. Ah, ça fait du bien un peu. Hop. Un peu de cardio. Ah. Allez, une minute. Allez, 10 secondes, tout beau. Allez les gars, on lâche pas, allez les gars, on lâche pas, continuez. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour les gars. Pour ceux qui me demandent les gens, c'est pas un suçon. Je me suis brûlé dans un des muscle up aux anneaux. Et la troisième étape? La troisième et dernière étape, là, lorsqu'ils nous rejoignent, ils ont choisi un métier. Et donc dans cette troisième étape, ils apprennent ce métier. Donc c'est préparateur de commandes, chauffeur poids lourd, agent de sécurité, aide de vie aux familles, voilà des métiers okay. qui leur permettent de trouver un emploi très rapidement. Ça veut dire qu'ils arrivent ici, ils ont pas de boulot, pas forcément d'envie, de motivation, et ils repartent à la fin avec un boulot. Tout à fait. Le jeune qui a envie de s'en sortir, il faut qu'il nous rejoigne. Ok les gens, maintenant, dernière partie du parcours SMV. Nous sommes au centre de formation qui s'appelle le Greta au lycée Alexandre Bérard. On est là pour apprendre des métiers tels que la vente, installateur fibre optique ou agent de sécurité. Et une fois cette formation terminée, on sort avec un titre pro qui est l'équivalent du bac pro. Du coup Karima, c'est quoi ton métier ici? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je suis professeur d'éco-gestion au lycée Alexandre Bérard à Ambérieu-en-Bugey. Vous êtes dans notre magnifique plateau technique que l'on utilise pour nos formations actuellement, vendeur conseil magasin. Du coup les jeunes en fait, ils s'entraînent ici pour leur métier futur, c'est ça? C'est ça. On a
donc un côté boutique avec donc vêtements, accessoires et un autre côté supérette pour mettre en pratique en fait tous les termes techniques qu'on utilise dans le cadre de notre formation. Okay. Donc là on est avec Eva, ça va ou quoi? Très bien. Check Covid. Yes, on a respecté. Putain, t'as tapé fort là. Ça me fait mal un petit peu. Du coup toi Eva, qu'est-ce que tu fais ici en fait? Je fais ma formation vente. Et du coup qu'est-ce que t'apprends à faire dans ce magasin? J'apprends à conseiller une cliente, vendre un produit. Est-ce que tu penses que je peux faire un bon vendeur? Oui, c'est possible. Ok, on va voir ça, on va voir ça. Ok. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Enchanté, Thibaut. Enchanté. Je suis vendeur. J'ai repéré dans la vitrine une petite combi et j'aimerais savoir si elle peut m'aller pour les fêtes. Oui, oui. Vous êtes intéressé par cette magnifique combi? Oui, super. Figurez-vous qu'elle est fabriquée à côté de Paris, en Chine. Ah, faut pas dire ça, mince. 34,99€. Est-ce que ça, c'est pas un bon prix? Oui, mais excusez-moi, mais il me semble que là, elle est en promo, non? Ah non, mais en fait, c'est des anciennes promos là. Regardez, ah. Oh, elle est plus. Oh, elle est plus à promo. Mais c'est quand même un produit intéressant. Est-ce que vous pensez que ça m'irait bien? Moi, je pense qu'elle vous sied à ravir pour les fêtes de Noël. Ouais, mais ça fait un peu noir, non? Ça fait un peu enterrement, c'est pas faux. Il vous reste quoi comme taille? Parce que là, je vois un 38. Un 38, c'est ce qu'il vous faut, un 38, non? Non. C'est gentil. Faut demander à la cliente. Ah, faut demander à la cliente, ok. Qu'est-ce que vous faites comme taille? 34. 34, très très bien. Un peu trop grand. Vous avez la taille en dessous? Alors, malheureusement, on n'a pas la taille en dessous, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un lacet et serrer fort. Un lacet? Non. On peut dire ça? On peut commander. On peut commander rapidement. Mais oui, mais c'est les fêtes la semaine prochaine, donc ça arrivera en temps et en heure. Faut mentir, faut dire la vérité. Non, on peut faire. Livrer. On peut faire livrer chez vous, directement sur vous en fait. Pouf! Ah, c'est super. Sous le sapin? Sur vous, directement sur vous. Sur moi, d'accord. Exactement. C'est un peu trop noir, il faudrait quelque chose peut-être pour l'égayer. Des petits accessoires. Des accessoires. On a des serre-têtes. Non, pas des serre-têtes. Ah, des foulards, on a des très beaux foulards. Alors celui-là, il y a un petit côté un peu mille et une nuits. Ça permettra de raviver votre teint qui est déjà magnifique. C'est gentil, vous êtes un peu dragueur, vous. Oh, dites pas ça, voyons. Ça me plaît, ça me plaît. Mais encore quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me conseiller là? Un sac. Un sac pour la dame. Alors on a des magnifiques sacs. Alors c'est un sac qui se pack, c'est très tendance chez les jeunes. C'est quoi, ça va pas ensemble, c'est ça. Ça va super bien ensemble. Non, le rose, c'est ça. Mais c'est magnifique, non? Ça fait trois couleurs, c'est trop. C'est pas 2021, tu vois, on est en avance sur la mode et tout, le futur. Non, d'accord. Ça fait Robocop. Ça fait Robocop. Du coup, on a ce magnifique sac noir. Non, cherchez encore. Elle est compliquée, la cliente, mais donc. Faut toujours sourire, même si les clients sont pénibles. Ceci. Une petite pochette. Ah, pour la soirée, c'est pas mal. Ça vous plaît, cela? Ça fait un peu petit, brillant, bling bling, mais ça peut aller puisque c'est. Ça fait très ambiance Dubaï, tant c'est la mode, là, tout le monde va à Dubaï. Voilà ce magnifique assortiment qu'on vous propose. C'est sympa, j'aime bien. Ça me paraît proposer des chaussures. Ah ouais, donc tu veux la ruiner toi en fait. Elle est forte en commerce, hein, dans Fashion. Ok, très bien, donc des chaussures maintenant. Est-ce Parfait. Qu'on a des tongs? Non, pas du tout. Non, pas c'est des talons. Juste. Ah bah super. C'est accordé, c'est pas mal. Vous serez assorti à la couleur du saumon, du coup, qui aura servi à table, et ça, je pense que c'est un très bon point. Je sais pas si c'est faut éviter de dire ça. Là, vous vous projetez, ça y est, vous y êtes. Ah, je suis à Dubaï. Vous êtes à Dubaï là, très bien. Du coup, Eva, qu'est-ce qu'on a pensé alors? C'est pas mal, mais il faut encore un peu de boulot. Je vais travailler encore, merci beaucoup. Axel, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice alors? Bon, on va faire un peu de mise en rayon, parce que c'est un peu le bazar dans les rayons. Ok, très très bien. Alors, comment on fait de la mise en rayon alors? Donc là, j'ai un panier. Ah, ben voilà, pour Pichu. Ok, donc là. Donc là, c'est de l'autre sens. Comme ça, ah oui, très bien, là, comme ça, ça rentre mieux, voilà, comme ça, c'est effectivement. Ouais. Le plus important, les œufs, c'est le bordel au rayon E, et c'est le rayon le plus important pour les protéines naturellement. N'est-ce pas, Axel? C'est ça. Tac, tac, tac. Comment ça va pour l'instant? C'est un peu à l'envers, quoi. D'accord, tac, c'est vrai que t'as raison. Hop, voilà, super. Là, c'est magnifique, là. Voilà. Extra Total Marseille Aloe Vera. Hop, ici, le lave-vaisselle, là. Est-ce qu'il y a des petites astuces? Bah, ici, vu qu'il y en a qu'un derrière, on avance pour coller. Celui-là, on peut l'avancer aussi? Ouais, on peut, ouais. Cette vidéo ne contient aucun placement de produit, bien sûr. Les pâtes, les Bucati. Voilà, après il n'y a plus qu'à avancer tout ça. Qu'est-ce que t'en penses là pour l'instant? On est pas mal, hein. Ça va être pénible ça, les clients qui passent leur journée à tout défaire. Alors t'as passé des heures à tout mettre bien. Qu'est-ce t'en penses, Axel? Bah là, on peut rectifier ce côté là. Ah oui, oula. C'est la guerre ici là. Les linguinés là. Ah, merde, désolé. Elle est là. Attends, les Bucatini, et ben voilà, bravo! Qu'est-ce qui te plaît toi ici du coup? C'est tout, l'ambiance, on est rémunéré pour avoir une formation, l'encadrement militaire, être carré en fait. À présent la Team Shape, si vous voulez rejoindre le SMV, le lien est dans la description, www.lesmv.org. Et voilà la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, et regardez une autre vidéo en cliquant là, et sur ce n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.